On s'est posé une belle question. Si vous postez pour la nationalité chilienne, est-ce qu'on peut voyager? Il y a trois raisons que fait, nous ne pas supposé voyager. Première raison, lorsque vous postez pour la nationalité chilienne, vous obtenez pour PDIR pour rendez-vous. Si vous avez le page, ou bien soutenez que vous rendez-vous qui programme pour faire une interview, vous avez désisté dans le système, vous avez éliminé dans le système. Et sauf si vous avez avisé PDI qui est sorti, le ça, vous avez baillé date, vous sorti date, vous rentrer. Là, si vous avez pour bon rendez-vous, vous obtenez le tour de rentrer pour vous programmer rendez-vous pour vous. Deuxième motif qui fait, vous pas supposé sortir dans le pays. Premièrement, vous connaissez, si vous postez avec contrat de travail, vous avez 12 liquidations soldo. Liquidation soldo, c'est le travail ou à payer, ou ça mentionne que le travail à payer là. Et paye chèque, j'en ai le là. Ou bien, vous avez 12 et FONASA, 12 AFP. FONASA, c'est Fonds National de Santé, bagaille. Et l'État oblige compagnie à boule payer santé pour vous, sous malade pour aller à l'hôpital, dans l'hôpital public. Troisième bagaille, AFP, c'est bagaille et VSU, que l'État exige tout pour payer vous, pour l'offre une grande moule pour retirer tout, pour un petit cop cap venir. Troisième bagaille encore, c'est que sous parti, vous faites plus que 2 ans de vos pays, il y a cancel résidence. Et depuis vous cancel résidence, vous pas bien accès pour poster pour nationalité chilienne. Mais à part de ça, au grand monde, au cas voyager, là, vous voulez faire tout, soit le fait de 3 mois, de pour, ou pas, n'a pas mis 3 bagages, ça, ou que nous sommes là, au cas, là, au cas, tourner, j'en voulais, ça pas me pêcher que vous postez pour nationalité. J'espère que vous comprenez, suivez-moi pour plus de vidéos, partagez vidéo, ça.